Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième conférence métier des journées d'information Design ton futur de l'École de design Nantes Atlantique. Je suis Frédéric de Gouzon, directeur stratégie, recherche et développement de l'École de design Nantes Atlantique. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette session autour des métiers du design graphique. J'ai autour de moi un très bel aéropage de spécialistes, puisque je serai accompagné ce midi par trois personnes. Xavier Drouault, qui est designer graphique de profession, qui est responsable pédagogique du diplôme national des métiers d'art en majeur numérique, mineur graphisme de l'École de design Nantes Atlantique, qui nous expliquera donc peut-être ce qu'est ce programme d'EdMAD numérique. Mathias Rischewski, également designer graphique de métier et qui est responsable pédagogique des programmes de master Media Design. Là aussi, il nous précisera peut-être ce que c'est que le Media Design. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Lola Feldman, qui a été diplômée il y a presque 4 ans maintenant de l'École de design, qui est graphiste et qui a créé un collectif, donc qui reviendra sur son parcours, mais qui est aussi également en ce moment en poste au sein du département de Seine-Saint-Denis sur des problématiques autour des services publics. Voilà. Je vais laisser chacun d'entre vous se présenter. On va démarrer par Xavier. Xavier, si tu veux nous expliquer en quelques mots ton parcours et puis peut-être nous expliquer ce projet que tu as choisi en illustration pour expliquer d'où tu viens. Voilà. En remettant ton micro. Merci. Oui, donc moi je suis un fossile de l'Internet, puisque j'ai commencé en 1995 avec un projet qui était mon projet de fin d'études, qui est devenu une start-up, puis une agence de web design, ce qui s'appelait Le Petit Bouquet. Et donc, si j'ai choisi ce projet, qui est mon premier projet aussi professionnel, c'est parce que il me semblait intéressant de dire que quand on est étudiant, on doit rester attentif on doit rester attentif aux nouvelles technologies, aux innovations potentielles qui peuvent guider l'intégralité d'une carrière, puisque c'est mon cas. J'avais le choix entre rester dans ma formation classique, qui est une formation de designer graphique papier à Olivier de Serre, ou au contraire d'évoluer et de tenter des choses sur quelque chose qui était quand même encore très, très embryonnaire au départ et pas très séduisant pour les graphistes, qui était Internet. Du coup, j'y ai passé presque 25 ans. Voilà. Donc voilà, ça me semble important pour de futurs étudiants d'avoir ça en tête. Voilà, donc merci de passer aux slides suivantes. Le deuxième projet que j'ai mis dans la présentation, c'est le Musée d'art de Nantes. Là, on est bien, c'est un gros fast-forward. On est en 2015. Et ça montre un peu l'évolution du métier, puisque sur ce projet-là, bien entendu, le respect de la charte graphique et la mise en cohérence entre la charte graphique web et la charte graphique print était importante. Mais il y avait aussi une dimension qui était importante, qui était le fait de réussir à créer une interface qui puisse intégrer 3 logiciels de contributions. On avait Navigart pour les œuvres d'art pour la collection du musée. On avait un autre élément qui était développé pour la visite du musée en lui-même, et faire en sorte que ce soit transparent sur des contraintes sur lesquelles je n'avais pas forcément la main. Je n'avais pas le droit de redesigner les interfaces qui étaient faites par des développeurs pour ces besoins précis. Et donc, en fait, il fallait réussir à être transparent tout en étant fluide dans la navigation, et puis avoir forcément quelque chose qui soit visuellement convaincant. Voilà, donc une grosse évolution avec des développements informatiques qui étaient beaucoup plus contraints et beaucoup plus importants. On peut avancer encore. Voilà, alors... Ah, il m'en manque un là. On a sauté une slide, mais ce n'est pas grave. Voilà, merci Fred. Alors ça, c'est beaucoup plus récent, et c'est un peu, comment dire, un peu antinomique avec le précédent projet. Ça m'amusait de le mettre parce que le logo représente presque une fleur et que j'ai commencé par Le Petit Bouquet, donc voilà, il y a un clin d'œil. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, j'ai créé rapidement l'interface. Alors, j'ai développé toute l'identité visuelle de cette société de conseil en communication pour le secteur agricole, mais pas qu'agricole. C'est aussi des gens qui travaillent sur la transformation de l'agriculture dans le développement durable, dans l'agriculture urbaine, etc. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai réussi à créer la page d'accueil de cet organisme de façon extrêmement rapide en utilisant un logiciel qui est proche en fait, d'un logiciel de composition. Donc, ça veut dire que de composition graphique classique. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des évolutions des pratiques, c'est-à-dire que là, je me suis complètement affranchi du code sur ma pratique en tant que designer graphique sur ces 15 dernières années. On est comme ça dans des mouvements de va-et-vient entre des choses où le code nous contraint, le code peut nous offrir des opportunités, et puis des outils qui vont chercher justement à libérer le designer de certaines contraintes. Voilà, donc c'était un contrepoint avec le précédent projet qui lui était extrêmement contraint au niveau des développements. Voilà. Et ça, par contre, ce sont des travaux d'étudiants. On passe à des travaux d'étudiants qui ont été réalisés en DNMED. Donc, rapidement, tu me demandais tout à l'heure ce que c'était que le DNMED. Le DNMED, c'est le remplaçant des BTS design graphique. C'est un diplôme de premier cycle sur 3 ans, diplôme visé par l'État, diplôme d'État même. Le DNMED cherche à on a une grande liberté dans la mise en place de la maquette, du référentiel. Chaque école choisit ses spécificités. Nous, on est design graphique avec une option numérique. Ici, le travail consistait à développer une identité visuelle pour DALB, refondre l'identité visuelle de DALB, en essayant de mettre en place une identité visuelle qui soit générative, c'est-à-dire un logo qui évolue en fonction de chaque magasin franchisé. Avec bien sûr une déclinaison qui est une déclinaison complète sur tous les supports avec une cohérence du web au print. Tu peux avancer sur la slide suivante. Ça, c'est le travail d'un autre groupe. Mais ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on voit qu'ils ont travaillé une partie de leur travail de création apportée sur l'utilisation des techniques traditionnelles, donc là de la sérigraphie, de la lithographie, de la linogravure, je m'emmène les pinceaux, de la linogravure. Il y a cette volonté dans le DNMED de croiser ainsi les pratiques les plus contemporaines en faisant des liens avec des pratiques qui sont plus traditionnelles. Voilà, et ça c'est intéressant parce que c'est fructueux en règle générale. Voilà pour moi. Merci Xavier. Avant de laisser la parole à Mathias, j'ai une petite précision technique importante. Oui. La session est interactive, vous pouvez poser des questions. Vous avez en bas de l'écran un petit module QR avec 2 petites bulles superposées, donc une icône graphique bien réalisée, qui vous permet de poser toutes vos questions aux intervenants. Il y a 2 personnes, Hélène et Alexia, que je salue au passage, qui sont là pour centraliser vos questions et les faire remonter vers les conférenciers. Donc, on traitera en temps voulu les meilleures questions qui nous arriveront sur cette interface QR. Voilà. Et sur ce, je laisse la parole à Mathias pour qu'il puisse se présenter à son jour. Bonjour tout le monde. Mathias Rischewski, je suis aussi graphiste de formation. On essaye du coup de vous montrer un petit peu les différentes facettes du métier, les différentes pratiques qu'on peut avoir. Moi, je vais vous montrer 3 projets que j'ai faits dans les 25 dernières années et 2 projets des étudiants. Le premier qui est à l'écran date de 97. Du coup, Xavier m'a battu à montrer un projet ancien. Je suis un genou à côté, du coup. Ce projet date de 97. C'est une partie de mon projet de diplôme que j'ai fait à l'époque. Rapidement, j'ai fait un bac général et après, j'ai d'abord intégré un cursus en apprentissage artisanal, typographie, métier de l'imprimerie. Un apprentissage bien industriel sur 3 ans pour ensuite m'engager dans des études supérieures en Allemagne. Je suis allemand d'origine. Du coup, c'est pour ça que tout texte ici est en allemand, parce que ce diplôme était fait en Allemagne. 97, un projet où la réalité de la presse écrite, c'est que toutes les maisons d'édition se posent la question comment garder son lectorat et comment éduquer le jeune public à devenir lecteur fidèle à des journaux. Du coup, un projet qui essayait de répondre à cela par la création d'un supplément basé sur les textes. C'est l'objet que vous voyez tout à droite. C'est un vrai journal imprimé. C'est ce qu'on appelle dans le métier un numéro 0, un numéro test, pour voir si ça fonctionne, qu'on avait réalisé, imprimé, financé. Il y avait tout ça. Et il y avait sur 2 ans un plan rédactionnel sur les sujets à traiter. Et en même temps, et c'est pour ça que ce projet est ici, parce que graphiquement, bien entendu, je ne ferai plus la même chose, malgré que je ne le trouve pas si mal que ça, mais c'est surtout la composante que vous voyez en milieu, cet écran qui date bien entendu, j'ai fait exprès que vous voyez bien la fenêtre du système d'exploitation autour du contenu. Ça, c'est, je pense, c'est Netscape 2.0, ça doit être un navigateur Internet, comme aujourd'hui Firefox ou Edge, je crois, sur PC. Et l'idée, c'était que sur la version papier, on a des textes pour approfondir un sujet, et sur Internet, on avait une plateforme d'échange. Du coup, on était déjà dans une logique de génération de contenu par les utilisateurs qu'on voit 15-20 ans plus tard sous l'appellation Web 2.0 dans ce projet-là. Tout à gauche, le premier visuel vous montre que c'est un projet pour lequel on a développé, parce qu'on était 2 déploiements là-dessus, aussi une police de caractère. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu une parenthèse dans tous les travaux que j'ai faits et les travaux que je vous montre. La typographie, c'est une composante majeure et principale dans mon travail. Voilà, on peut passer aux slides suivantes, Frédéric, s'il te plaît. Ici, en 2015, je me trouve en situation d'enseigner déjà pas mal à l'école de design, mais je suis en profession libérale avec 2 graphistes collaborateurs et je suis approché par une grosse entreprise mayonnaise qui est dans le domaine du travail temporaire. Et ils avaient développé une identité visuelle qui leur posait un problème. Elle était toute fraîche, elle n'était pas encore utilisée et ils ne savaient pas comment la utiliser, comment la déployer. Et il y avait un petit peu une contrainte. Ils étaient à 2 mois de lancement d'un bateau dans la route du Rhum, je crois, à l'époque. Un maxi trimaran, comme vous pouvez le voir ici à droite. Du coup, dans 1 mois, on a réorganisé visuellement, bien entendu visuellement, ce n'est pas l'organisation de l'entreprise qui était faite par des graphistes, hein, je vous rassure. On a réorganisé visuellement l'identité visuelle pour que plus que 30 entités, là vous voyez que 7 logos, déclinaisons de logos des marques et le logo principal. Et on a tout visuellement réorganisé et j'étais assez content dans ce projet. Il y avait ce bonus de habiller un bateau. En fait, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et ça, c'est assez chouette parce que c'est peut-être une composante assez intéressante dans nos métiers. On parle de c'est quoi le design graphique, mais le design graphique, ça peut prendre vraiment des formes différentes. J'ai fait des signalétiques dans les prisons. C'est étonnant. Je ne sais pas quel métier permet d'aller en prison, en visiteur. Et j'habillais des grosses bateaux. C'est chouette, ça fait plaisir. Troisième projet de ma pratique, celui-ci de 2010, mais c'est un des projets que je trouve le plus réussi. On a travaillé sur un bâtiment des architectes Tétrarc, ici à Saint-Herblain, un équipement culturel, dans lequel on a traité l'identité visuelle extérieure de l'équipement et à l'intérieur, toute signalétique et guidage pour les visiteurs. Un projet que je trouve, il n'a pas trop vieilli dans les 10 ans qu'il existe déjà. Je suis assez assez content de ce boulot-là. Et les utilisateurs, pareil, ils récoltent, ils fonctionnent bien, ils fonctionnent bien. Le prochain slide, s'il te plaît, Frédéric, merci. Alors ça, c'est le projet de Lola que vous allez voir tout à l'heure, dans quelques instants, elle va vous parler. Et ceci est le projet qu'elle a fait en Master Information Design, qui est devenu le Master Media Design à l'école de design. C'est un logiciel ou une interface pour l'apprentissage de l'orthographe qui part de l'erreur. L'enfant peut écrire comme il veut et d'une manière ludique, il est amené à comprendre comment ce même mot devrait être écrit en français. Et sur l'image tout à gauche, vous voyez la correspondance d'un phonème. Le phonème, c'est le son qui est dans le cercle vert. Et tout autour, vous avez plein de graphèmes différentes. Et c'est une visualisation qui montre pas que à l'enfant, mais surtout aux parents qui l'accompagnent dans cet apprentissage, que l'orthographe n'est pas si simple que ça. Il y a en langue française des phonèmes, des sons, qu'on peut écrire de plus que 30 manières différentes, ce qui est quand même effrayant. Alors, je peux vous dire, j'ai dû apprendre le français en langue étrangère, c'est compliqué. Next slide, s'il te plaît, Frédéric. Ceci est un projet tout récent, il était présenté, ça fait 3 semaines, en fin de projet, fin d'études, un projet de Léa Monchagne en Media Design. C'est une exposition destinée à des enfants. Tout à gauche, vous voyez une maquette de l'agencement de l'espace. L'image en milieu, on est un petit peu immergé, oui. Et à droite, vous voyez l'interface qui accompagne la visite de cette exposition. Ça, c'est typiquement un projet d'envergure et des usages des différents métiers dans le design qui sont pratiqués dans le media design, qui va sur l'exposition, la médiation et en général sur des situations d'apprentissage, voilà, pour créer des dialogues engagés et engageantes. Ici, sur le virus, et c'est bien fait. Pas que ça devient un petit peu moins anxiogène, la situation. Voilà, je passe la parole à Lola. Merci. Merci Mathias, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Lola Feldman. L'idée, c'est que je vous présente mon parcours depuis que j'ai été diplômée. Donc, j'ai été diplômée en 2017 de l'école de design, où j'ai fait le cycle en 5 ans, avec un bachelor en design graphique et le master information design, qui donc aujourd'hui s'appelle... Media Design. Pendant que j'étais en dernière année de master, j'ai effectué mon stage de fin d'études. C'est la slide juste avant, Frédéric, s'il te plaît. Non, avant. Merci. Donc, dans un atelier de design graphique qui se trouve à Paris, et donc, en fait, où je suis restée pendant les 6 mois de mon stage et 1 an supplémentaire, et où j'ai pu travailler sur des projets institutionnels qui étaient donc, du côté culturel principalement, et également des projets d'aménagement urbain. Ici, le projet que je vous ai mis sur la slide pour illustrer, c'est l'animation visuelle de la palissade de verre du musée du Quai Branly à Paris. Et je trouve que c'est un projet qui est assez intéressant à montrer parce qu'il entremêle... pas mal de contraintes qu'il peut y avoir dans notre métier, à la fois le fait que on soit dans une échelle qui est assez gigantesque, et nous, dans notre métier, on va travailler sur des échelles qui changent complètement d'ordre de grandeur entre une carte de visite et par exemple une palissade comme celle-ci ou une palissade de chantier. C'est aussi un projet qui s'articule avec l'architecture de ce bâtiment, qui est une architecture assez iconique dans Paris, cette palissade de verre, et qui jouait aussi avec l'exposition dans laquelle se trouve ce projet, puisqu'en fait l'idée, c'est que les œuvres qui étaient présentées, qui sont des masques et des reliques, on a repris les formes de silhouettes pour que ça puisse jouer avec la palissade de verre et que ces formes puissent se projeter au sol quand le soleil traverse cette palissade. Et ça pose également la question de quand on travaille pour la culture et qu'on va présenter des œuvres qui vont être dans une exposition, de cette contrainte de ne pas les dénaturer, puisque nous, en tant que graphistes, l'objectif, ça va être de les mettre en valeur, mais on ne va pas chercher à les modifier. Et donc, tout cet ensemble de contraintes, comme ça, ça peut donner l'impression qu'on a peu de marge de manœuvre, mais en réalité, on va se servir de toutes ces contraintes-là pour justement faire un projet qui va devenir très spécifique. Voilà, donc à la suite de cette expérience-là, donc, où je suis restée pendant 1 an et demi, comme disait en introduction Frédéric, j'ai créé avec 2 amis et camarades de promotion de l'école de design un studio de design graphique qui s'appelle le Studio Trois-Tiers, qu'on a créé en fait pour... en fait, dans une envie d'être indépendante dans nos projets et également d'avoir la main sur la direction artistique en étant justement indépendante. Ça nous a aussi amené forcément à nous positionner sur les aspects plus économiques, juridiques et financiers de ce métier-là, dont on était plutôt protégé en fait jusqu'à maintenant. Et donc, c'est un studio de design graphique dans lequel on travaille sur des projets qui peuvent être des commandes, ou alors qui peuvent être des réponses à des concours ou à des appels à projets ou à des appels d'offres publiques. Mais là, l'illustration que je vous ai mise et le sujet que je voulais évoquer par rapport à cette expérience, c'est aussi le fait de faire des projets d'auteurs, des créations visuelles d'auteurs, où en fait, on ne va pas être sur une commande, mais vraiment sur de la création pour un besoin de s'exprimer. Et nous, en fait, c'est né de ce besoin d'engagement qu'on avait dans notre métier, puisqu'en fait, on considère qu'en tant que designer graphique, une partie de notre métier, c'est de créer des images. Et dans la société, en fait, créer des images, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, je pense que si vous ouvrez des livres d'histoire, vous vous en rendez compte de façon assez évidente. Et donc, voilà, nous, on a souhaité vraiment se positionner sur aussi des créations d'auteurs. Et là, ici, il s'agit de 3 affiches qui fonctionnent en triptyque sur la question du dérèglement climatique et de la préservation de la biodiversité et de la vie. Donc, je ne vais pas les décrire plus que ça parce que justement, le but d'une affiche, c'est qu'on n'ait pas besoin de la commenter. Mais voilà, donc ce studio, en fait, j'y ai consacré 2 ans à plein temps en tant qu'activité. Et aujourd'hui, le studio existe toujours, mais ce n'est plus mon activité principale puisque du coup, j'en arrive à l'expérience où je suis maintenant. Donc j'ai intégré une très grosse administration qui est le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, où en fait mon poste et mes missions se sont élargies autour du métier de designer, même si j'ai toujours mes spécificités bien sûr de designer graphique, et d'ailleurs il y a une designer produit qui est également dans l'équipe, mais en fait l'objectif c'est de ramener les méthodes de design en général qui peuvent en fait être très utiles dans la conception de services publics et de politiques publiques, notamment par le fait qu'on a cette capacité en tant que designer, grâce à des méthodes et à des outils, de placer l'usager et l'humain au centre de la réflexion. Et donc, ça va être ces méthodes-là qu'on va amener dans des collectivités et essayer d'essaimer auprès des agents de la collectivité. Du coup, là, pour l'illustration de cette expérience, comme on parle de design graphique, il s'agit d'ateliers de co-conception que j'ai créés. Donc, il s'agissait d'une série d'ateliers pour créer une identité visuelle pour la mission innovation territoriale du département et où, en fait, se trouvaient autour de la table des personnes qui ne sont pas des designers. Et donc, moi, mon rôle était de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse amener ses idées, grâce à des outils, grâce à un déroulé que j'avais réfléchi en avant et que j'avais conçu, et grâce au fait de faciliter ces temps-là pour que tout le monde puisse apporter ses idées. Et donc, du coup, à l'issue de ces ateliers-là, mon rôle en tant que designer, c'est également de pouvoir reprendre toutes les idées qui vont avoir émergé de ces ateliers et de les traduire visuellement et de les formaliser dans un projet de design graphique qui doit absolument être la continuité de ce qui s'est fait pendant les ateliers pour que ce soit réellement de la co-construction. Je trouve que c'est intéressant ces méthodes-là de travail parce que ça nous amène à avoir de l'humilité sur notre travail, à se rendre compte que quand les personnes sont en capacité, à peu près tout le monde peut être créatif et en fait, nous, notre rôle et nos méthodes, elles permettent justement de mettre en condition et en capacité les personnes de pouvoir s'impliquer et d'être embarqué réellement dans ces projets-là. Voilà. Et du coup, ce sur quoi je voudrais conclure par rapport à cette dernière expérience, parce que je suis vraiment au début de ma carrière, ça fait pas très longtemps que je suis diplômée et j'ai essayé d'explorer pas mal de choses. Mais je pense que là, ce vers quoi je tends, c'est vraiment de chercher à trouver comment, en tant que designer, on peut participer à l'intérêt général. Et je pense qu'il y a énormément de place pour ça, pour les designers, sur des projets sociétaux, sociaux et environnementaux. Donc voilà, c'est sur quoi je voulais conclure. Merci. Merci Xavier, merci Mathias, merci Lola pour cette première partie. Je vous propose qu'on entre dans la deuxième partie de présentation. Alors, on a parlé numérique, on a parlé identité, on a parlé marque, on a parlé imprimé, édition, on parle de service, d'innovation sociale. Lola, finalement, ça veut dire quoi aujourd'hui être designer graphique? Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité professionnelle au pluriel? Je crois que... Vas-y. Non, comme on veut. Je crois que le visuel qu'on a devant les yeux, il résume assez bien la diversité des métiers qu'on peut être amené à exercer en ayant suivi une formation de designer graphique. J'en discutais avec Mathias hier soir. Il me disait, oui, toi, tu as déjà travaillé, tu as fait presque 8 métiers qui sont dans cette liste-là. Moi aussi. Et Lola, on est peut-être déjà à 4. Donc, les métiers évoluent, c'est-à-dire qu'il y a des missions pour lesquelles j'étais appelé il y a 25 ans. Aujourd'hui, elles sont réalisées par 2, 3, 4 personnes, parce qu'il y a des spécialisations, il y a des ouvertures. Et voilà, donc design graphique aujourd'hui, ça a plein de enfin, c'est une diversité de métiers. Voilà, il faut se rendre compte ici, on a plus que 25 ans d'appellation, de métier qui suit un petit peu les modes, les besoins de l'économie et des réponses que le métier est capable de fournir. Il faut savoir qu'on est toujours amené à comprendre un contexte pour ensuite, d'une manière simplifiée et d'une manière esthétique, le communiquer. Du coup, on est médiateur entre un contenu et le public en tant que designer graphique, et pas que en tant que designer graphique, dans d'autres métiers, mais de design, on l'est aussi, mais avec d'autres moyens. Voilà. D'accord. Et à ce moment-là, ce serait quoi les fondamentaux du métier qu'on retrouve dans toute cette diversité de pratiques? Moi, j'avais noté ces trois grands éléments. Là, j'avais mis la nécessaire empathie, c'est-à-dire qu'on est dans des métiers qui nécessitent d'avoir de l'écoute et de se préoccuper de l'usager et de l'usage. Une capacité à argumenter et à convaincre, et ça, le dernier exemple de Lola, il vient souligner cela, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus appelé à mettre en œuvre nos méthodes pour entraîner les gens et pour emporter une adhésion. Mais on est aussi contraint d'argumenter et à convaincre parce que, à la différence d'un plombier ou d'un architecte, on doit encore faire la preuve, parfois, de la justesse de nos analyses. Voilà, le graphisme peut parfois être un peu challengé sur ses fondamentaux, sur ses compétences par les clients ou par les personnes qui reçoivent nos productions. Donc, il faut une bonne capacité à argumenter, à convaincre. Et puis après, les fondamentaux du métier, pour moi, ils sont restés les mêmes depuis 25 ans. Et je pense qu'on travaille sur de la mise en cohérence. Quand on travaille une identité visuelle, elle doit être cohérente sur l'intégralité des supports. Et on travaille sur la traduction de la communication de nos clients et la traduction visuelle. Donc, on doit être cohérent au niveau du ton qu'on emploie, on doit éviter les dissonances. On doit réussir à capter l'intérêt, à interroger. Ça, ce sont les affiches de Lola qui interrogent, qui posent question. On doit aussi savoir narrer, raconter, entraîner avec nous. Ça, c'est vrai que l'on soit sur du print ou sur du web, dans un journal, dans un magazine, il y a des questions de rythme, de composition, de hiérarchie qui, à la fin, racontent une histoire. Et c'est aussi vrai sur un magazine que sur un site internet ou parfois même dans une application. Et donc, pour moi, les fondamentaux, ils sont restés les mêmes. Qu'en pensez-vous, mes chers amis? Et du coup, qu'est-ce qui a changé? Alors quoi, la technologie? On a parlé beaucoup de numérique. On comprend bien que le design graphique, ce n'est pas que du numérique, mais tu as parlé beaucoup de numérique, Xavier. Ouais. Tu diriges une formation qui est d'abord numérique. Avant d'être une formation de graphisme. Ouais, et voilà. En quoi la technologie, elle impacte sur notre... sur nos problématiques de graphisme. Alors, je vais préciser tout de suite que je ne suis pas un historien du graphisme et que l'impression que je vais donner là, c'est une impression qui vient juste de mon expérience personnelle. Je parle à titre personnel. Mais néanmoins, à chaque fois, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les évolutions technologiques, elles ont un impact fort sur nos pratiques de plein de façons différentes. Donc là, rapidement, j'ai mis 4 points. Sur les 4 points, c'est l'évolution du web. Donc, le web, tout d'abord... le web 1, on va dire, le web très simple, puis qui est passé au web 2 avec les réseaux, la diffusion sur les mobiles, la multiplication des écrans, jusqu'à arriver aujourd'hui à Netflix, justement, une multiplication encore plus forte des écrans. Et en parallèle, sur les autres colonnes, j'ai mis l'évolution en fait, des débits, de ce qui nous était proposé, des modems 28.8 et 56K, qui faisaient un petit bruit, voilà. On passe jusqu'à aujourd'hui la fibre et la 5G en passant par la DSL. Et ça a eu des impacts, bien sûr, avec des grandes marques. J'ai mis quelques grandes marques comme point de repère. Netscape, que la majeure partie des gens ont oublié, mais qui a fait trembler Microsoft. Hein, mais ce n'est pas rien de réussir à faire trembler Microsoft. Amazon, qui a complètement... exploser le domaine de la vente en ligne en commençant par s'attaquer aux livres, et qui la première victime, c'était Barnes & Noble aux États-Unis. Google qui nous a complètement modifié notre façon de naviguer, puisque maintenant, pour certains, c'est, je ne vais pas sur Internet, je passe par Google, quoi. Enfin, pour les plus âgés, pour ça, c'est assez drôle. Voilà, avant, on était du portail d'information sur les moteurs de recherche et ils ont complètement tout révolutionné avec juste un champ d'entrée de texte et un algorithme qui était le plus pertinent. Et puis, bien sûr, Uber et Airbnb. Et Uber et Airbnb, ça a un impact sur la vie de tout le monde, hein, dans nos façons d'acheter, de partager, voilà, et même de travailler. Et ça a eu un impact aussi sur les graphistes dans leur façon de travailler, parfois même avec les agences où voilà, l'ubérisation elle s'est faite partout. Voilà. Alors et là, oui. Et du coup, effectivement, en termes d'impact, comment tu mesures où on en est aujourd'hui, quoi? Bah alors, bon, moi, je suis sur ma pratique, j'ai l'impression qu'on est passé du Far West, du début où on appelait les Far West, enfin, c'est un double terme puisque ça vient vraiment des États-Unis et qu'il y avait un côté, il y avait un autre côté aussi chercheur d'or. Donc du Far West à la norme, c'est-à-dire que au début, le graphiste, il devait mettre les mains dans le cambouis, essayer de se débattre avec des bouts de code, découper des images, etc. Et petit à petit, le code l'a libéré de certaines choses, lui a donné d'autres contraintes. On a un double mouvement qui s'est opéré avec donner plus de possibilités, mais aussi un cadre de création qui est parfois plus contraignant et qui nous pose question quand on est confronté à une sorte de dictature des templates, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il faut avoir les reins solides pour réussir à la contourner. De la méthode et encore de la méthode. Ça, c'est une façon de dire qu'on en avait avant, mais l'industrialisation des process a fait qu'on en a encore plus aujourd'hui. Et là, je pense au découpage du métier en UX. Je pense aussi à tout ce qu'a pu montrer Lola sur le fait de faire des ateliers de design thinking, etc. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Et donc, du coup, la façon de concevoir, c'est aussi dans la conception pure, professionnalisée et rationalisée, avec toujours des balances positives et négatives. Du décor à la grille à sa déconstruction, ça c'est vraiment un truc de designer graphique web, c'est-à-dire qu'au départ on n'avait pas la possibilité d'utiliser les typos, donc c'est pour ça que Mathias ne s'est pas rué sur le net comme moi, parce qu'il était déçu, je pense. Donc au départ on était sur les polices, qui étaient les polices système de la machine, et donc on était contraint pour personnaliser une interface de travailler sur ce qui entourait la chose. Donc on travaillait sur du décor, et petit à petit on est arrivé à avoir des polices aux joies, au bonheur. Et donc, les interfaces se sont dépouillées et on est arrivé à des choses qui se rapprochaient du print avec la mise en place de grilles de composition, qui sont des grilles de composition qu'on peut aussi retrouver parfois, enfin, qu'on peut retrouver sur les médias classiques. Et je dis la déconstruction parce que là, depuis, je dirais, 3-4 ans, cette grille qui standardise aussi le net en écran, enfin, sur les landing pages, etc. Cette grille, elle est en train d'être déconstruite. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a des gens comme Locomotive, une agence canadienne, qui travaille des interfaces qui sont justement, qui commencent à avoir des contenus qui sont un peu plus déstructurés. Donc, les choses se réinventent avec un peu plus de liberté et c'est intéressant. La revanche de la typo, bah, j'en ai parlé, c'est-à-dire qu'au début, on était très, très contraints. Et puis, depuis le @font-face, la technologie @font-face, les web fonts, il y a eu à la fois la capacité d'avoir accès à plus de polices de caractère, et puis aussi, je trouve, Mathias me rejoindra peut-être sur ce point, je trouve qu'on est passé, la culture de la typo s'est considérablement améliorée, de mon point de vue. Oui, parce que ces usages sont effectivement maintenant, tout le monde peut en utiliser parce que le système économique veut que la plupart des polices qui sont utilisées sur Internet sont des polices qui ne sont plus payantes. Bien entendu, on les paye indirectement, hein, mais c'est un corps de métier qui a aussi complètement changé du spécialiste très, très, très isolé au généraliste. Voilà. Mais je pense qu'on est un petit peu en retard, là. Il faut qu'on accélère. Voilà. Tout à fait, tu as raison, Mathias. Donc après, rapidement, l'impact de l'amélioration des débits et des réseaux sociaux, ça fait que le motion design a pris une importance considérable dans nos métiers. Voilà. Le branding qui continue de gagner. C'est quoi le motion design, Xavier? Tout ce qui va être animé. Tout ce qui va être animé, du clip en passant à la présentation d'entreprise, enfin des petits films qu'on va diffuser soit sur les réseaux sociaux, soit sur son propre site internet, soit sur tous les canaux possibles et imaginables. Le branding qui continue de gagner le public, ça c'est parce que c'était une tendance qui était des années 80, mais qui s'est accentuée, le fait que l'image de marque, les problématiques d'image de marque et un peu marketing, et gagner les institutions publiques. Voilà. Et puis les logos, le fait que le logo, on était sur des logos qui pouvaient sortir de l'emblème associé à une typo pour devenir des choses qui étaient un peu plus conceptuelles. On est passé à des logos qui pouvaient se générer sur ordinateur. Et puis en fait aujourd'hui, les contraintes des réseaux sociaux et des différents supports fait qu'on est revenu à des choses qui doivent être très très solides sur des petits espaces et qui doivent tenir dans 16 pixels par 16 pixels aussi bien que sur des enseignes gigantesques. Voilà, donc, je me permets juste une petite parenthèse. Pensez, alors je pense à nos auditeurs, pensez au logo de IBM, vous l'avez en tête, il date des années 60. Aujourd'hui, il fonctionne encore comme il fonctionnait aux années 60. C'est un des exemples, de meilleurs exemples de l'équipe et de toutes les qualités qui fait un bon design graphique. L'échelle, peu importe, c'est la simplicité qui l'emporte et la pertinence de la proposition. Voilà. Exactement. Voilà, puis une accélération des tendances parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à tout, quoi. Et pour conclure, avant de répondre aux questions de l'audience, sur les valeurs du designer graphique, peut-être Lola, qui est la Benjamine du tour de table, peut-être que tu auras envie de répondre sur cette question des valeurs du designer graphique, puis aussi Mathias et Xavier, évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des valeurs à défendre quand on est designer graphique? Oui. Donc, oui. Vas-y, Lola. Bah, je pense que les valeurs qu'on va défendre en tant que designer graphique, c'est les mêmes valeurs aussi qu'on va défendre en tant que citoyen, d'une manière générale, et avec en plus la responsabilité d'être quand même dans un métier de la communication. Mais, tu l'as résumé tout à l'heure d'une manière parfaite. C'est participer à l'intérêt général, mais avec ceux qui sont nos compétences. Et nos compétences, ils se résument rendre désirable ou acceptable des services, des idées, des biens. Et du coup, là, on résulte une grande responsabilité, en fait. Oui. On peut pas dire ouais, mais je savais pas à quoi ça sert hein, pour cet objet ou ce service que j'aide à promouvoir. Le designer a, pour moi, c'est un impératif de métier. Comme tu disais, Lola, c'est pas juste une éthique de métier, c'est une éthique en général qu'il faut appliquer. Je dois savoir dans quel système économique j'évolue et à qui sert ce que je suis en train de mettre en place, ou aider à mettre en place. C'est, je pense, la première réflexion, et ça, c'est comme ça semble être une réflexion très macro, très peu applicable. Bah, dans la vie quotidienne du designer, ça s'applique très pratiquement. Ne travaillez pas sur un projet qui est mal défini, qui n'est pas encore défini, sur lequel vous connaissez pas le contenu, ou encore ne travaillez pas gratuitement. Ça va étonner une partie de l'audience, mais c'est une réalité dans nos métiers oui. Instaurée par des mises en concurrence abusives. Voilà, ça n'a pas de sens. Déclinez tout ça, faites votre chemin avec vos valeurs. Vous allez voir, c'est un métier formidable qui change tous les 5 ans. Vous allez faire un petit résumé et vous faites un autre métier que ce que vous avez fait avant. Les deux questions ici, le designer et la commande, et le designer et l'utilisateur, montrent tout juste ces deux facettes. Un designer n'existe que parce qu'il y a une commande. On n'est pas artiste, on est aussi créatif comme un artiste, mais on est là pour résoudre des problèmes, et pas les nôtres, mais des problèmes des autres. Et ça, on le fait par des moyens visuels. Et pour cela, le designer, il a besoin d'une vraie assise. Il doit savoir qu'est-ce qu'il fait, pour qui il le fait et pourquoi il le fait. Et il a besoin de conseiller pour cela son commanditaire et interpréter les besoins de l'utilisateur. Aujourd'hui, on passe beaucoup par l'observation du terrain, par les analyses de l'expérience d'utilisateur qui existe déjà pour les augmenter, pour les améliorer. Mais appel à tous les designers à devenir, ne vous cachez pas derrière ces analyses. Ces analyses ont besoin de passer par votre esprit créatif, d'être augmenté, d'être amélioré, d'être… plus sensible. Voilà. Je vous propose justement qu'on interroge notre audience et qu'on s'intéresse à leurs questions. Donc je vais arrêter le partage pour que qu'on puisse échanger à ce sujet-là. On a eu plusieurs questions intéressantes. Une première question, une question qui revient. Est-ce qu'on est toujours amené à travailler sur écran, ou est-ce qu'on travaille aujourd'hui, ou est-ce que tout se passe dans un espace numérique en termes de graphisme, ou est-ce qu'il y a encore de l'activité qui se passe ailleurs que dans l'écran? Voilà. Est-ce que l'avenir il est uniquement digital, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire du graphisme? Alors, petite partie de réponse. La première chose que je donne à mes futurs étudiants quand ils sont encore en 3e année, ils ne sont pas encore passés en master, c'est un carnet de croquis. Ça répond en partie à la question, au moins pour ce qui est ma vision du métier. Ouais. Après, moi, tout à fait, je suis d'accord avec toi. En fait, la partie hors écran est importante pour alimenter, mais je pense qu'il faut la prendre pour alimenter aussi potentiellement des interfaces. Et puis après, on vit quand même au 21e siècle, hein, donc se passer complètement des écrans, enfin, des outils qui permettent de diffuser les choses rapidement, ne serait-ce que dans des process de production ou autre, ça commence à devenir compliqué. Ceci dit, dans la création pure, on peut réduire la part de l'écran au minimum, si on le souhaite. Ça dépend, chacun son point de vue là-dessus. Ah, tu as peut-être un avis là-dessus? Bah oui, je suis d'accord. Quand on parle de production de design graphique, on est un peu obligé de passer par l'écran. Mais effectivement, toute la partie de réflexion, de créative, enfin un peu créative, de recherche de concept, elle peut totalement être faite avec un papier et un crayon à l'ancienne. Mais après, au-delà de la partie production dans notre travail, il y a aussi toute une partie où on va faire de la médiation, on va rencontrer des gens, et là, on sort complètement, on peut totalement sortir du numérique. Donc voilà. D'accord. Je pense qu'on a une question, là, ça revient sur la question de la notion du motion design, je pense. On a une question, si vous parliez de mini-film, je ne sais pas si l'animation de dessin rentre dans cette catégorie. Est-ce que quelqu'un a envie peut-être de compléter par rapport à la définition très rapide que tu avais donnée, Xavier, tout à l'heure, du motion design? Peut-être préciser ce que c'est que ce graphisme en mouvement qu'on voit partout aujourd'hui. Alors, vas-y. Pardon. Oui, il y a des c'est pas tout à fait historique, hein, que je vous raconte ça là, parce qu'on pourrait regarder la BD et l'image animée qui était créée au début du XXe siècle déjà, mais vous avez tous en tête le générique de films des années 50, 60, une grande époque de ce qu'on appelle aujourd'hui le motion design. À l'époque, personne ne l'appelait comme ça. On était monteur, animateur, ou encore, hein, vous voyez, pensez à notre slide avec les 20 différentes appellations qui sont valables pour le graphisme. Dans l'animation, il y en a autant. Motion design, à la base, c'est du graphisme qui évolue dans le temps. Voilà. Donc sur cette définition très large, ça peut aller du clip à une petite pub promotionnelle, à une data visualisation animée, à un GIF animé. Enfin, c'est extrêmement large en fait. C'est quoi une data visualisation? Une data visualisation, c'est le fait d'expliciter des données complexes grâce aux outils du graphisme. Un diagramme, hein, comme on est médiateur, on pense toujours que ce n'est pas juste à mettre des données en colonne ou en tarte ou je ne sais pas quoi. Le but derrière, c'est qu'une fois que je suis passé par cette visualisation, je suis capable de faire une décision. J'ai appris quelque chose, j'ai appréhendé un contexte et maintenant, je suis capable de faire des décisions. On arrive au bout du temps qui nous était imparti pour cette présentation. Je vais peut-être faire juste un tout petit rappel, hein, pour ceux qui auraient pris la conférence en cours de route, hein, donc sur les parcours possibles en termes de formation au design graphique au sein de l'école de design Nantes Atlantique. Et puis, donc, puisque aujourd'hui au sein de l'école, on a deux grands parcours diplômants possibles. Un parcours Bac+3 autour du diplôme national des métiers d'art et de design avec cette option majeure numérique, orientée design d'interface et médias numériques, avec une mineure en graphisme qui est dirigée par Xavier Drouault, ici présent. Et puis une formation Bac+5 avec un diplôme de design qui comprend, qui est divisé en deux temps pédagogiques, avec un premier cycle orienté métier, avec deux grandes spécialisations, une en design graphique, je dirais, dans une approche généraliste, et puis une spécialisation autour du motion design, de la communication par l'image animée dont on vient de parler à l'instant, et puis un deuxième temps pédagogique autour de cycle master thématique, donc avec notamment cette formation média design qui prend de l'ampleur depuis 2 ans, autour de la question des nouvelles formes narratives, on va dire, dans lesquelles on va retrouver beaucoup de graphisme et de communication visuelle au centre de ces problématiques. Si vous voulez en savoir plus sur ces formations, je vous encourage à suivre la prochaine conférence qui va se dérouler à 14h par le même canal, hein, et vous inscrire directement sur notre site web, parce qu'on parlera plus précisément des contenus, de l'évolution des programmes, des moyens d'intégrer nos formations derrière, via notamment la procédure Parcoursup. Donc, tout ce qui concerne la formation sera abordé de façon plus précise dans cette conférence de 14h. Et puis par ailleurs, on retrouvera en replay toutes les conférences de la journée sur notre chaîne YouTube. Donc tout ça sera aussi consultable après cette journée du 6. On va donc s'arrêter pour cette conférence design graphique. J'aurais voulu tout de même, avant qu'on se quitte, demander à chacun d'entre vous un conseil. Si vous deviez donner un conseil à un aspirant designer graphique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devrait retenir et qu'est-ce qui devrait le motiver au moment où on se parle? Je ne sais pas, Lola, si tu veux démarrer peut-être. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait s'engager dans le design graphique? Oui, le conseil que je donnerais, c'est un conseil assez large, mais d'une manière générale, c'est de s'autoriser à déborder et à être en décalage avec ce qui peut être attendu. Ça va un peu avec l'idée de rester très curieux et de s'autoriser à être subversif, en fait, dans ce que vous voulez faire. Ouais. Très bien. Mathias ? Oui, cette idée de rester curieux est assez important. Hein. On a besoin de la resituer parce que visiter des expositions, un petit peu compliqué actuellement. Voyager, un petit peu compliqué actuellement. Mais on peut rester très curieux en s'exposant tout simplement à des situations qu'on ne maîtrise pas. Et je ne parle pas de sauter en parachute. Hein. Je pense à des situations de tous les jours. C'est important. Mais voilà. Un autre conseil que moi, je voudrais bien appuyer et qui rejoint un petit peu la question de la compréhension du contexte dans lequel on évolue. Pour le dire d'une manière très, très affichée, un designer a besoin de se affirmer et à défendre un certain ensemble des valeurs. Du coup, il doit être convaincu de ce qu'est-ce qu'il fait et défendre ses convictions. Et de l'autre côté, il doit être capable d'être à l'écoute parce qu'il travaille qu'avec des contraintes qui lui sont apportées pour être résolu à l'intérieur de ces contraintes, pour résoudre un problème. Voilà. Du coup, ça se résume pour moi avec la phrase « Prenez votre place ». Et tenez-la. Xavier, le mot de la fin. Ouais, bah, donc je suis d'accord avec tout ça. Curiosité, transgression. Je suis tout à fait voilà. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui postule, il faut penser à se cultiver, à essayer de s'ouvrir le plus possible, d'améliorer sa culture générale et sa culture du domaine. Et après, deux citations hollywoodiennes, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et this is not a job, this is an adventure. Excellente transition. Alors pour l'école de design, la prochaine aventure, évidemment, ce sera l'arrivée de l'école de design sur l'île de Nantes, hein, puisque... si vous passez dans le quartier de la création sur l'île de Nantes, vous verrez peut-être un chantier en cours. C'est le futur bâtiment de l'école de design qui va être en service en septembre 2022. Donc ça veut dire que tout étudiant qui va rejoindre les murs de l'école, qui est aujourd'hui dans le campus de la Chantrerie à Nantes, au nord-est de Nantes, qui passe les murs en septembre 2021, sera assuré de finir ses études dans un tout nouvel équipement dédié au design au pluriel et qui sera donc situé en plein cœur de la ville. Voilà, donc c'est sur cette note positive que je voulais terminer cette conférence. Je tenais beaucoup à vous remercier tous. Merci Lola d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Merci Mathias, merci Xavier pour tous ces éléments, ce retour d'expérience extrêmement instructif. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence à 14h, donc conférence thématique autour de l'intégration post-bac et de Parcoursup, mais on évoquera de façon plus générale l'ensemble des programmes de l'école. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.